Hop là. Le challenger. Qui a le maillot du Football Club de Barcelone. Ah ouais. Avec le drapeau catalan sur la manche gauche. 65 rencontres chez les amateurs. Avant de passer professionnel le 25 juin 1999. Il va disputer dans quelques instants son 38e combat. Un palmarès qui comporte 32 victoires, dont 22 obtenues avant la limite. Le challenger qui sera dans le coin bleu. Champion de Russie en 2000. Ouais. Deux fois champion du monde pour la World Boxing Foundation en 2005. Champion d'Europe, là aussi deux fois en 2007. Redevenu champion continental depuis le mois de février dernier. C'est sa première défense à le champion. Pour ce Toulonnais, l'élève de l'électrique, mais ô combien sympathique, Daniel Bichoret. Daniel Bichoret. Mesdames et messieurs, tout le monde debout pour accueillir ce 8e maintenant. Léva Akira Kossian, 36 ans, 1m67. Adorable. 32 victoires, dont 22 avant la limite. Ouais. 5 défaites seulement. La musique. Oui. Non. Ah, ça va se faire. Peut-être ma cherche le CD. Ça y est. Ah. Bon, là, la ceinture, les drapeaux. L'entraîneur et le boxeur. Une mâche à serviette, comme d'habitude. Championnat d'Europe. Le vrai, le BU. Ouais, c'est beau. L'Europe Boxing Union. C'est beau, c'est beau. Elle est portée la ceinture, hein. Voilà, la ceinture continentale. Elle est bien portée, elle cette ceinture, portée, ce soir. Ouais. Ah ouais. Ouais. Yann Kerpen qui mange sa serviette. Ah. C'est son habitude. Toujours. Espagne, Italie, France. Espagne, Italie, France. Si. Ouais. Elle va rester, si elle reste les bras tendus comme ça pendant toutes les hymnes, ça va lui faire mal. Lors des championnats d'Europe, nous allons faire retentir les hymnes nationaux. Ouais, c'est ce que je pensais. En l'honneur du directeur de combat, du challenger. On va donc commencer par l'hymne national italien, pour l'honneur de monsieur Giuseppe. L'honneur de l'arbitre. Ouais, je vous laisse vous lever pour moi.
Merci pour lui. L'hymne italien. Et maintenant, la marcia real en l'honneur du challenger. Honneur au challenger, donc l'hymne national espagnol pour Francisco El Nido Dobles. Hombre. Et à l'honneur du champion, la Marseillaise. Champion. Et bien sûr, donc maintenant, l'hymne national français va retentir pour Léva Kirakosian, qui a tenu à boxer pour la France. Alors la moindre des choses, c'est que vous offriez tous ensemble une belle Marseillaise chantée de façon unanime, mais avec enthousiasme. Donc, pour sa première défense, dans son fief de Toulon, l'hymne national français pour Léva Kirakosian. Léva Kirakosian. Sur la plage du quartier du Mourillon à Toulon, Francisco El Nido Dohales a été pesé à 58 kg 900. Léva Kirakosian à 58 kg 960. Voilà, dans le coin bleu, Francisco El Nido Dohales. Dans le coin rouge, Léva Kirakosian. Je vous rappelle que le combat est réglé en 12 reprises. Il est un peu affûté là, Chandler. À vous aussi, merci. Il est un peu affûté le Chandler. On l'air bien. Léva est prêt. Ouais. Le Chandler m'a l'air tout aussi prêt. Une tête de plus pour le Chandler. Je pense que ça n'a pas beaucoup dérangé les bas.